Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Angèle répond aux personnes qui la critiquent suite à sa prise de poids. Je vous laisse avec sa story. J'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais juste faire une petite story rapide pour râler, parce que ça change pas. D'ailleurs, je crois que je vais changer mon nom. Je vais m'appeler la grosse rageuse, comme ça au moins c'est clair, c'est fait, c'est réglé. Non, sérieusement, je vais faire une story pour parler de la schizophrénie de certaines personnes. Voilà, parmi vous, là, qui me regardez, sûrement, je vais parler de vous. Il y a des gars, franchement, il y a un truc qui me fait vraiment énormément rire. C'est que là, hier, je me suis filmée depuis la première fois depuis longtemps. Et évidemment, ça n'a pas loupé. J'ai eu des meufs pour me tacler, me dire « t'as gonflé !» Alors déjà, je sais pas ce que vous voulez dire par gonflé, mais effectivement, comme je l'ai dit, j'avais pris du poids. Je suis quelqu'un qui prend du poids dans le visage et je suis toujours actuellement en train de le perdre. Mais ce qui est extrêmement drôle, c'est que quand je remonte les messages de ces mêmes personnes, ce sont les mêmes qui m'ont insulté de tous les noms parce que soi-disant j'avais des propos grossophobes. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui me traitent de grosse. Vous êtes si drôle. Petit message à toutes ces personnes, les gars. Moi, en fait, je suis pas là pour faire votre psy. Si vous avez des pathologies, si vous avez besoin d'être traité médicalement, c'est pas sur Snapchat qu'il faut aller. Il faut aller voir un médecin. Il faut aller voir un docteur qui va vous aider. Mais il faut pas venir écrire aux gens sur Snapchat si on est atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Hein. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas votre psy. Hein. Ou alors, faut me payer. Les chéris, hein, je suis désolée. Donc, oui, je sais que je dois perdre du poids et je sais que ça fait 2 ans que je dois perdre du poids, mais écoutez, chacun son rythme, d'accord? Je prends mon temps. Donc, non, là, je suis dans une bonne, un bon mood. Donc voilà, mais il n'y a pas de botox, il n'y a pas de chirurgie esthétique, putain, foutez-moi la paix avec ça, j'en peux plus. J'ai plus rien dans mon visage, j'ai un visage absolument naturel, ça se voit, je crois. Mais donc, du coup, non, si je vous parlais, bah voilà, gonflé, bah c'est, écoutez, c'est que j'ai bien mangé pendant l'hiver.